Bonjour tout le monde, ici Caribou Canadien vous parle. J'espère que vous allez bien parce que moi je vais super bien. Allez, on continue l'aventure du jeu Dead Space 3 live sur la chaîne du Caribou Canadien. Oh yeah! Je suis mêlé. S'en viens-tu ou il descend? Il s'en vient pas en tout. S'en va au lieu de revenir. Et là, il s'en vient. Yeah.
pense que c'est le dernier. Oh. Ok, c'est le dernier. Tiens, tu reviens maintenant? Ouais, j'arrive. C'est rare, j'oublie du stuff. Ellie, comment on peut être sûr que ça va marcher? T'as trouvé comment fabriquer un codex? Ouais, une affaire d'analyse neurologique magnétique. Ils ont créé un flot de données pour le codex. Comme s'ils avaient pris des codes directement dans son cerveau. Ça me rappelle quelque chose. Au moins, ils lui ont pas crevé l'œil. Je me dépêche. Il faut percer ce mystère avant que Danik nous trouve. Facile. L'os de la jambe est relié à cette espèce de bidule. Qu'est-ce qui se passe? Faut les mettre en... Alors, où est la tête selon vous? Ça je pense, faut les mettre en ordre. Ça, c'est les pieds. Ok, ça ressemble à... une sorte de... Bon, ok, ça ressemble à rien. Et comment on va faire pour l'assembler? Il doit bien y avoir un truc. Ok,
Ça commence à prendre forme. Hey, tu fermerais... Ah, on approche du but? Difficile à dire, mais une forme se dessine. Ça, c'est les pieds. Ça joue au cul. Ah, mais une décansante, est-ce que ça de... Fin de l'assemblage. Initialisation du codex en cours. Voyons voir ça. Tête, c'est pas une femme, c'est un homme vu qu'il n'y a pas de tête, c'est quoi ça? C'est quoi ce bordel? Ça veut dire qu'ils l'ont déchiffré avec la machine extraterrestre avec le cerveau adapté. C'est brillant. Ok, voyons ce qui se passe si on l'active. Ça risque d'être bizarre. Croisons les doigts. La lune et la convergence. Les extraterrestres, leur machine devait geler la planète afin d'empêcher la convergence. Si la machine s'arrête, tout va fondre. La convergence va recommencer ici et... partout où les monolithes se trouvent. Et alors? C'est la clé. La clé pour l'arrêter. Merci d'avoir fait tout le travail. Non! Les monolithes de la Terre vont l'attirer! Vous ne comprenez pas ce que vous J'ai faites! J'ai pu commettre quelques erreurs, c'est vrai, mais tout est clair à présent. Notre formidable renaissance n'a pas été retardée uniquement par les hommes. Il y avait aussi cette machine. N'approchez pas de la machine, Danik! Non! Maintenant que j'ai ceci, je vais pouvoir l'arrêter. Les natifs de cette planète ont préféré la mort à l'évolution. Je ne laisserai pas l'humanité reproduire la même erreur. Ne faisons plus qu'un, tous ensemble. Eh bien, tu es là. Nous avons réussi. Allez, Ethan, le codex.
pas le temps. Voilà, c'est ouvert. Vite. Je suis juste derrière. Qu'est-ce qui est ouvert? Plus vite ou... Mais quel connard! Il a fermé! Il y a une commande manuelle dans la cabine, je peux l'ouvrir d'ici! Non! Il n'aura pas le temps! Voilà, c'est ouvert! Vite! Je suis juste derrière! Dysfonctionnement. Il faut baisser la porte! Ellie! Et merde! Ellie! C'est pas bon! Ça va bien trop vite! Isaac, fais-le! Je t'en supplie! Isaac! Je te... What? Isaac! Non! Hé! Hey. Non! 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 Le gaz, il arrive! Il faut partir, maintenant! J'ai plus qu'elle. C'était sa mission. Elle savait à quel point c'était important. Nous devons finir le travail pour elle! Compris? Est-ce que c'est clair? Oui. Alors venez! Isaac, vite! Isaac! Je l'ai laissé. Ellie. Isaac. Hey. Restez concentrés. Pas de blague, mon vieux, je compte sur vous. Allez, Tannik se dirige vers la machine. Il faut à tout prix l'arrêter. Nous devons l'arrêter définitivement. Okay. C'est compris. Ok. Hey. Hey. Tannik a débloqué l'accès aux étages. Où il est? J'en sais rien. Où il est? J'en sais rien. Bon sang. Con. Ok. Très bien. On se sépare. Vous allez au rez-de-chaussée et moi je vais au premier. Ok. Parfait. Attendez. Faites attention. J'y arriverai pas sans vous. Je peux pas prendre ça par les semi-conducteurs, j'en ai besoin.
Danik se dirige. Pour aller à la machine, il doit passer sous terre en empruntant le grand silo, au nord. Ok, je mets mon traceur à jour. Prends-moi là-bas. Un tabarnak. C'est pas là pour jouer, mais on peut pogner du stuff peut-être en bas. Non. Ben ça, c'est pour faire des missions secondaires, j'irai pas là. Descendre s'il y a rien en haut. Non, non, non! Je vois pas là ou que je suis bloqué. Balle, on dirait que je suis pas haut, j'ai 11. Je peux descendre là.
c'est ça. Et j'ai déjà été là. Ouais, moi aussi. Prendre la vie, prendre la vie, prendre la vie, hostie!
Eh ouais. Et Dieu créa la flaque. Quelques instants. Attention, tenez-vous prêts. Reprise des opérations. J'aurais dû le tuer tantôt, lui.
l'absence du poids en cours. Le transport reprendra dans quelques instants. Isaac, moins vite! Attention, vous allez vous faire tuer, ça ne reprise des opérations. Norton dit c'est vrai sur un point. C'est un aller simple. Si je dois mourir sur ce glaçon, Danik m'accompagnera. Ça. Oui, je sais, je peux te viser, mon esti. Ouch. Débloqué, car vous êtes un dieu. Tenue d'élite. Il est débloqué! Ah, passant turbo, c'est... Le gars a accepté pour la banque, mais ma maison est vendue. Hein. Je vais avoir l'argent le 17 mai. Si on manque pas grand, hein, j'en ai 911.
Ce n'était pas la solution. Nous nous sommes trompés. La source du signal, c'était la Lune. Non plus qu'un, arrête-la. Ce ne sont que des appels au secours, des demandes d'aide que nous avons aveuglément suivies. Ok! Non. Calice. Thank you.
Chris, je pense pas que j'étais proche de même. Ok, non, la boîte a disparu. Ah ouais, il gèle ça, mais... C'était pas écrit dans le ciel, la distance. Dans la ville. On se croisera en route. Cette lune informe en orbite, qui contrôle tous les monolithes. C'est l'étape finale de ces êtres. Enfin, presque finale. En fait, les natifs de la planète ont construit une machine destinée à figer la formation de la lune. Mais ça ne suffit pas. Même incomplète, la lune est parvenue à transmettre son signal aux monolithes. Et c'est loin d'être fini. Il y a plusieurs lunes qui forment un réseau à travers les étoiles. Une fois complète, chaque lune vient se connecter et prévient les autres. Alors si celle-ci devait s'achever, ses sœurs viendraient ici, pour se nourrir. Mais gardez espoir. Les natifs n'ont pas fini la configuration. La machine ne devait pas figer la lune. Elle devait la détruire. Trouvez le codex. Il vous permettra d'accéder à la machine et de la reconfigurer. Suivez ma piste au cœur de la machine et mettez un terme à tout ça. Carver, vous entendez ? La machine peut briser la lune. Il faut la configurer correctement. Et Danik ? Stopper Danik ne suffit pas. Il faut rapporter le codex. Lui seul permet de configurer la machine. Mais Serrano a bloqué le passage avec des sortes de symboles. Je vais essayer de les déchiffrer. Thank you.
facile. Jamais. Je vous ai quand même bien aidé. Ça jouera en ma faveur à la fin, non? À la fin? Ouais. Pour me racheter. J'ai fait des erreurs. Oh, taisez-vous, Garve. Tout le monde en fait. J'ai laissé tomber mon fils. Torpillé mon couple. Isaac, j'ai tué Santos. J'ai le droit de m'en vouloir, non? Vous avez un bon fond. Mais on fait pas toujours ce qu'on voudrait. Ouais. Mais... je suis désolé pour elle. Merci. Moi aussi. Hey, c'est Danik. C'est pas trop tard. Plus de retour possible. Reprenons le codex. Allez! Isaac, c'est moi! Elles vont nous mener trois jusqu'à Danik! Ralentissez-le! Je trouverai une autre idée. On se rapproche de la fin parce que... dans la vidéo, il y avait les missions secondaires, je viens de voir. Il reste encore 2-3 lives, là, mon gars. Isaac, c'est bien vous? Vous êtes terriblement difficile à tuer, en êtes-vous conscient? Danik, que savez-vous sur la Lune? Vous savez ce que c'est? Ce doit être une des merveilles de l'univers, je présume. Cette chose est vivante. Elle a faim, et elle n'est pas toute seule. Si vous coupez la machine, elle sera libre. Elle réunira ses semblables. Elle trouvera les monolithes, et elle nous tuera tous! Comment pourriez-vous connaître ses intentions? Uniquement votre ignorance qui vous effraie. Danik, écoutez! Danik, vous m'entendez? Foiré. Qu'est-ce que je fais avec ça? Tabarnak. Faut que je l'arrache, mais j'arrive. Ah, c'est peut-être ça, hein.
Et j'arrive pas à l'enlever. Ah, c'était ça. Oups. Attends, ouais, tu l'as dit. Oups. Ah, c'est mon bolide, ça. Ok, je suis plus... Merde. On se retrouve à la machine! Je suis plus... Des réponses. Ah, shit, en même temps. Au sujet de ce qu'ils ont trouvé là-dessous. Nos équipes rassemblaient les meilleurs soldats et les meilleurs...
survivront. Il m'en manque encore 40. Non, c'était encore pour vous checker. Pêcher du stuff, etc. J'étais curieux, faut quand même checker un peu, mais je me rendrai pas jusqu'au bout. Je ferai pas de mission secondaire.
Ils sont là, les signes, c'ti. Par en bas. Sortie zone sans gravité. Qu'est-ce que tu fais? T'arrêtes-tu là, toi? Yes, sir. Il y a un save. Non, c'était tout. L'aventure du jeu Dead Space 3 live sur la chaîne du Caribou canadien. Oh, yeah!